même dans l'opinion publique a réussi à se doter d'un pouvoir d'illusion, mais se doter d'un pouvoir. Mais évidemment, ce qu'il propose, c'est la perte complète de souveraineté, au fond. C'est ça qui est intéressant, c'est que le nationalisme qu'il propose, c'est la perte de souveraineté au sens où notre souveraineté, c'est notre capacité à décider dans un système démocratique d'actions qui servent l'intérêt général. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, la France peut lutter toute seule contre le réchauffement climatique, contre la spéculation financière, contre des gens comme M. Mittal, contre des boîtes comme Monsanto et tout ça? Évidemment que la France a encore des capacités, mais nous savons que si nous voulons effectivement peser dans la mondialisation, si nous voulons réguler la mondialisation plutôt que la mondialisation nous régule, il faut passer pour nous à l'échelle européenne. Donc ça va être ça l'enjeu. Et ça va être ça, et il va falloir l'articuler évidemment sur tous nos sujets. N'oubliez pas le 25 mai. Eh bien, je vote Europe Écologie Les Verts. Oh, okay.